Liebe Freundinnen und Kolleginnen vom Centre Marc Bloch, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, mit Ihnen und einem sehr, sehr spannenden Panel mit Xavier Toussanfo, Marc Fleubé und mit Stefan Eickhout heute über die sozialwissenschaftliche Expertise in der internationalen Klimapolitik diskutieren zu dürfen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel wird von einer intensiven Diskussion darüber geprägt, wie der klimaneutrale Umbau unserer Gesellschaft in Europa aussehen sollte und was er für die Menschen praktisch bedeuten könnte. Dabei geht es um Transformationsprozesse, die tief in gesellschaftliche Strukturen, in individuelle Routinen und kollektive Vorstellungswelten eingreifen und diese grundlegend verändern. Spätestens hier zeigt sich, dass die Herausforderung Klimawandel nur dann bewältigt werden kann, wenn noch stärker die sozialen und politischen Implikationen von Klimatechnologien ins Auge gefasst werden. Und das haben wir auch vorhin schon gehört. Und dafür muss das Gespräch zwischen der Natur-, Techno-, erdwissenschaftlichen Expertise, aber eben auch zwischen den Geistes- und Sozialwissenschaften noch intensiviert werden. Und wie das gelingen kann, genau darum geht es in dieser Podiumsdiskussion heute. Wir wollen fragen und gemeinsam diskutieren, welche Expertise bringen die Geistes- und Sozialwissenschaften als ExpertInnen für soziale Prozesse und Zusammenhänge in die Gestaltung des Klimawandels ein. Bevor wir einsteigen in die Diskussion, möchte ich Ihnen unser Panel vorstellen, die wir hier haben, und zwar in alphabetischer Reihenfolge in der Mitte. Stefan Eickhout, er ist Professor für Soziologie und Leiter des Zentrums für nachhaltige Gesellschaftsforschung, dem CSS, an der Universität Hamburg. Er studierte Sozialwissenschaften in Berlin, Paris und Istanbul, promovierte 2012 am IHSS in Paris und eben auch in dieser Zeit als Doktorand war hier auch am Centre Marc Bloch assoziiert. In seiner Forschung verbindet er Konzepte und Methoden der und jetzt wird es divers, Soziologie, Politikwissenschaft, der Wissenschafts- und Technikforschung und der Ethnographie, um die soziale und politische Dynamik ökologischer Krisen und Konflikte zu untersuchen. Wir haben ja auch sitzen Marc Fleubé, der heute aus Paris angereist ist. Er ist CNRS-Forscher, Professor für Wirtschaftswissenschaften mit zahlreichen internationalen Stationen und Universitäten. Wir haben uns vorhin abgesprochen. Ich werde vor allem die École d'économie de Paris nennen, an der er ist, und das CERES, das Forschungszentrum für Umwelt und Gesellschaft an der École normale supérieure. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, die ich hier gar nicht alle auflisten kann, aber sehr spannende Forschung hat er betrieben, insbesondere in der Analyse von Chancengleichheit, Risiko, Umverteilungssteuern und natürlich Fragen der Klimapolitik. Schließlich haben wir hier, und da freue ich mich besonders, Xavier Toussanfo hier. Sie ist Professorin an der Universität Thomas Sankara in Burkina Faso und leitende Wissenschaftlerin am Wascal-Kompetenzzentrum. Sie leitet derzeit zwei sehr spannende Projekte zur Untersuchung der Auswirkungen der Agroforstwirtschaft und erneuerbaren Energien auf den Lebensunterhalt und das Einkommen in ländlichen Gebieten in Burkina Faso, Ghana, aber auch Mali und Niger und Senegal. Sie hat promoviert in den Wirtschaftswissenschaften in Paris, anschließend zahlreiche Publikationen und Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften publiziert und für ihre Arbeit auch mehrere Forschungsstipendien und Fachpreise erhalten. Ein sehr, sehr spannendes Publikum, was wir hier haben, mit dem wir gemeinsam diskutieren wollen und auch direkt
in das ganz zentrale Thema einsteigen wollen, denn 2022 markiert nicht nur den 30. Geburtstag des Centre Marc Bloch, Röns mein Marc, nein, es ist auch der Jahrestag der Rio-Erklärung, in der politische Akteure, WissenschaftlerInnen, MedienvertreterInnen und Nichtregierungsorganisationen aus 179 Ländern zusammenkamen, um mit der Vereinbarung des Rahmenabkommens der Vereinten Nationen über Klimaveränderung letztendlich den Grundstein für das heutige globale Klimaabkommen zu legen. Und zu diesem Durchbruch der internationalen Klimapolitik trugen vor allem auch ExpertInnen bei, die beim ersten Bericht des Weltklimarats, dem IPCC, mitgewirkt haben. Seitdem werden jedoch hauptsächlich ForscherInnen aus den Naturwissenschaften, die eben zu diesem besagten Bericht immer wieder auch beitragen, als KlimawissenschaftlerInnen anerkannt, während die Sozial- und Geisteswissenschaften oft ignoriert werden. Sie alle hier im Panel befassen sich seit vielen Jahren aber eben aus sozial- und geisteswissenschaftlicher Perspektive mit dem Klimawandel. Deshalb direkt mit der vielleicht wichtigsten Frage anfangen. Ja, welchen Beitrag können denn die Sozialwissenschaften Ihrer Meinung nach zu einem besseren Verständnis des Klimawandels leisten? Und wie gehen Sie das an? Und ich würde hier einfach mal sozusagen die Reihe durchgeben. Und Herr Fleury, wenn Sie anfangen. D'abord, je voudrais remercier Jakob Vogel et l'équipe du Centre Marc Bloch pour l'invitation. C'est un plaisir de célébrer cet anniversaire avec vous dans le cadre d'une coopération qui se noue entre le CRS à l'ENS et le Centre Marc Bloch. Excusez-moi, je crois que je dois arrêter ça pendant que je parle, c'est ça? Oui, non, malgré tout. Voilà. Ça va mieux comme ça? Oui, merci. Excusez-moi. Donc la question est très intéressante dans sa formulation, puisque la question porte sur la contribution des sciences sociales à la compréhension du changement climatique et non pas seulement à la compréhension de ce qu'on peut faire pour réagir au changement climatique. Alors, si on raisonne en termes de mécanismes du changement climatique, eh bien effectivement, ce qui est maintenant clair, c'est que dans l'époque de l'Anthropocène, le facteur humain est le facteur principal qui est la cause du changement climatique. Donc d'une certaine manière, si on veut comprendre ce processus, eh bien, il faut aller chercher la racine dans les comportements humains, dans les processus économiques, politiques, culturels, qui sont à la racine de tout ce qui fait que nous émettons des gaz à effet de serre et plus largement que nous contribuons à dégrader l'environnement. Alors, j'aimerais vous inviter à faire une expérience de pensée. Imaginez que le changement climatique soit causé par un processus purement naturel. Par exemple, je vais dire quelque chose de tout à fait imaginaire, mais par exemple quelque chose qui aurait à voir avec une dégradation des forêts. Si c'était un processus de ce genre, tous les financements iraient pour étudier ce processus qui est vraiment au cœur de ce phénomène dangereux pour l'humanité. Or là, nous avons en réalité un processus qui est causé par l'humanité et nous avons beaucoup de mal à porter les projecteurs sur ce facteur-là. Le facteur humain, les sciences humaines et sociales, représentent une petite portion des financements sur l'ensemble des problèmes du changement climatique. Donc c'est un paradoxe qui est intéressant, je trouve, et qui est difficile à expliquer, je ne vais pas essayer de l'expliquer ici, je vous laisse imaginer les différentes explications qu'on peut avoir. Je pense que tous les humains n'aiment pas trop être mis sous le microscope, et les responsables des politiques encore moins peut-être que les autres. Mais voilà, c'est ça un paradoxe vraiment intéressant. Un autre aspect, et je ne vais pas être trop long, mais un autre aspect sur lequel les sciences humaines et sociales peuvent être importantes, c'est dans l'étude des boucles et des cercles vicieux ou vertueux qui peuvent s'enclencher entre les processus naturels et les processus humains. Et donc vous pouvez avoir des stress environnementaux qui créent des problèmes sur les processus humains, économiques ou politiques, des déstabilisations des mécanismes sociaux et sociopolitiques, et qui débouchent sur une dégradation de la capacité des sociétés à réagir aux causes environnementales premières. Donc
L'exemple qu'on cite quelquefois, c'est une sécheresse peut créer une déstabilisation, une rébellion dans un pays, une guerre civile, une vague migratoire qui crée une psychose dans certains pays qui reçoivent cette vague migratoire et qui altère la dynamique entre les partis politiques et qui crée une résurgence du populisme et du nationalisme. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait imaginaire comme scénario, mais vous voyez que et ces politiques populistes conduisent à, par exemple, se retirer de l'accord de Paris quand on pense à l'élection de Trump aux États-Unis. Voilà quelques exemples des contributions possibles des SHS. Bonjour. Ah oui, bon, très bien. Merci aussi pour l'invitation, merci à l'équipe qui a préparé ça. Ça me fait d'autant plus plaisir que, comme ça a été remarqué, j'étais associé au centre entre 2000, je ne me rappelle plus exactement, 2011, 12, 13, à la fin de ma thèse et juste après ma thèse, et j'en garde de très bons souvenirs. Pour équilibrer un peu les choses, mache ich jetzt auf Deutsch weiter. Und, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, es wurde jetzt zweimal gesagt, dass die sozialwissenschaftliche Forschung zu Klima und Klimawandel unterfinanziert sei. Dafür gibt es auch Zahlen, also das ist nicht nur ein Gefühl, es wurde in der Studie von 2019 wurde das nachgewiesen, dass in den öffentlich zugänglichen Datensätzen zu Klimaforschung 5% aller Finanzierung der globalen Finanzierung für Klimaforschung, für die sozialwissenschaftliche Klimaforschung zur Reduktion von Emissionen geht. Der ganze Rest geht in naturwissenschaftliche Forschung und in technische Forschung, die natürlich auch nötig ist. Also das geht nicht darum, die zu kürzen, aber es kann nicht sein, dass sozusagen das, was heute immer in den ganzen Sonntagsreden als das wichtigste Problem unserer Zeit genannt wird, nur 5% der Klimaforschung bekommt, die ja auch nur ein Teil der globalen Forschungsausgaben sind. Und wenn man das runterrechnet auf die globalen Forschungsausgaben, dann sind wir bei 0,12%. Das sind die Forschungsausgaben zwischen 1990 und 2018. Also es gibt tatsächlich wirklich eine dramatische Unterfinanzierung der sozialwissenschaftlichen Forschung zu dem, was wir eigentlich tun müssen. Also wie können wir Klimawandel angehen? Und das ist umso wichtiger, denke ich, weil man könnte davon reden, dass wir heute in der dritten Welle oder in der dritten Phase von Klimaforschung sind. Und so, wenn man sich anschaut, in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren stand im Vordergrund nachzuweisen, dass es Klimawandel gibt und dass er von Menschen gemacht ist. Ich denke, spätestens mit dem zweiten IPCC-Report 1995 ist das nachgewiesen. 1995, 1996 kommen die Attributionsstudien raus, die sagen, es gibt einen menschlichen Fingerprint im Klimasystem. Danach kommen immer mehr Fragen von Anpassung und Fragen von Impacts, also was macht der Klimawandel eigentlich, welche Impacts sind. Und das sind auch nach wie vor Forschungen, die wichtig sind und die weiterlaufen. Aber was heute doch auf jeden Fall mindestens genauso wichtig sein muss, ist zu fragen, warum handeln wir eigentlich nicht? Und wie können wir sozusagen besser handeln, wie können wir diese Herausforderung angehen. Also einerseits, wie schlimm wird es natürlich, wenn wir uns überlegen, wie Gesellschaften auf Klimawandel reagieren, wie schlimm wird es dann, das hängt davon ab, aber auch Fragen wie verändern sich eigentlich Gesellschaften unter Klimawandel. Also Klimawandel hat nicht nur Impacts, sondern Gesellschaften verändern sich auch unter klimatischem Druck. Genau, und deswegen in Hamburg, wo ich im Moment arbeite, nennen wir die Forschung, die wir machen, sozialwissenschaftliche Klimaforschung. Das ist ein Begriff, der damals von Anita Engels unter anderem geprägt und hervorgehoben wurde, der jetzt in dem Exzellenzcluster CLICS, Climate, Climatic Change und Society auch ganz im Zentrum steht. Also es ist auch ein selbstbewusster selbstbewusste Bewegung zu sagen, einerseits in die Klimawissenschaft hinein zu sagen, die Sozialwissenschaften sind wichtig, aber auch in die Sozialwissenschaften hinein zu sagen, es ist wichtig, sich für Klima zu interessieren, weil das ist natürlich umgekehrt genauso ein Problem. Ganz herzlichen Dank, Safi. Merci beaucoup et je voudrais aussi particulièrement remercier le centre
et pour cette invitation. Et c'est une occasion et une très grande opportunité pour moi d'ouvrir en fait un panel de collaboration. Et j'espère vraiment que la collaboration va continuer avec mon institution Wascal et mon université. Donc Thomas Sankara à Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, je crois que la question en fait de la contribution des sciences sociales et dans les changements climatiques, c'est une question très très importante. Et parce que les deux en fait collègues ont parlé de l'investissement en fait dans les sciences sociales et pour la contribution à l'adaptation donc des changements climatiques, mais aussi à l'atténuation. Et donc je ne vais pas donc encore dire que la contribution est assez moindre quand on regarde en fait l'enveloppe qui est octroyée pour la lutte donc contre les changements climatiques et pour les études donc des changements climatiques par rapport donc aux autres sciences, les sciences dures. Alors que quand on regarde même l'histoire en fait des changements climatiques, comme vous l'aviez dit, depuis Rio, et on a parlé en fait de la contribution des sciences sociales au changement climatique, parce qu'on sait que les sciences sociales, c'est endogène en fait au changement climatique, parce qu'on voit qu'il y a une part quand même des activités de l'homme qui contribuent donc au changement climatique. Donc quand on parle en fait des sciences sociales, et on va étudier en fait nos vies, on va étudier notre quotidien, on va étudier nos mouvements, on va même étudier en fait les industries, comment les industries produisent, comment nous nous comportons, comment nous mangeons, comment nous consommons, est-ce que nous gaspillons, est-ce que nous jetons, comment nous gérons nos déchets, ainsi de suite. Et donc, moi, je vois que la science sociale, quand elle étudie en fait tous ces phénomènes-là, tous ces aspects, ça veut dire tous ces mouvements, ces comportements des gens, et je vois que c'est une très grande contribution aux études en fait liées au changement climatique et qu'elle devrait être prise en compte au même titre que les sciences dures. Parce que c'est nos comportements en fait qui engendrent ces effets-là quand on étudie vraiment l'histoire en fait des changements climatiques. Et cette recherche en fait de la science sociale, elle permet en fait d'étudier, on va dire, l'impact non pas aussi donc de la vie de tout le monde, mais elle peut aussi regarder l'impact des changements climatiques par rapport donc aux jeunes, par rapport aux femmes, par rapport donc aux personnes âgées, par rapport donc voilà à toutes ces personnes-là, parce que et on se rappelle que quand on a une vague de chaleur, voilà, due au changement climatique, ou bien quand on a des effets donc de sécheresse, les personnes qui souffrent dans les pays du Nord, ce sont les personnes âgées. Et c'est que la science sociale qui nous permet d'étudier cela et de prendre des dispositions vis-à-vis en fait de ces personnes âgées. Et quand on regarde dans les pays du Sud, les changements climatiques manifeste en fait par les dégradations des terres, des grandes périodes de sécheresse pendant donc les saisons donc pluviales. On voit un mouvement de jeunes, on voit un mouvement donc des gens vers les villes, vers les bidonvilles. Et ça, c'est un problème aussi qui se crée au niveau donc des centres-villes. Et ensuite, on voit naître des quartiers, on va dire, périphériques. Dans mon pays, on dit les quartiers non lotis. En anglais, c'est les informal settlements, sauf dans les pays anglophones. Et ça, ça crée un problème. Et donc, ça devient comme un cercle vicieux, en fait. Donc, et ça crée encore donc, quelque chose encore, qui va encore créer des problèmes au niveau donc, des changements climatiques. Et moi, je pense qu'il faudra... Et si on veut vraiment arriver à cette transition, il faudra qu'on adopte en fait la science sociale comme une partie intégrante en fait dans nos études, c'est-à-dire dans nos recherches. Donc il nous faudra une approche intégrée qui tienne compte en fait de ces dimensions environnementales, de ces dimensions économiques, sociales et même culturelles et psychologiques afin de garantir, on va dire, une transition verte et durable et socialement inclusive. Merci. Ganz herzlichen Dank für die sehr, sehr spannenden Forschungsfragen, die uns sicherlich auch noch in Zukunft viel begleiten werden. Was Sie hier aufreißen, sind unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Thema Klimawandel, was man sich aus verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Subdisziplinen anschauen kann und anschauen muss. Das sind ganz dringende Fragen, die heute vielleicht dringender sind als eh und je. Wir werfen sie heute hier auf im Centre Marc Bloch, doch letztendlich die Tatsache, dass wir hier sitzen,
zunächst erstmal definieren müssen, in gewisser Weise auch legitimieren müssen, rechtfertigen müssen und erklären müssen, was ist denn eigentlich die sozialwissenschaftliche Perspektive, was ist die geisteswissenschaftliche Perspektive auf das Thema Klimawandel. Das zeugt natürlich auch, dass es letztendlich ein sehr, sehr langwieriger auch Lernprozess ist, hier nämlich diesen integrierten Ansatz, den Safi gerade vorstellte, dass das zum Teil auch heute noch eine Wunschvorstellung ist. Deshalb müssen wir den Blick noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit machen, auch am Centre, weil die Frage nach dem Klimawandel nicht von Anfang an auf der Forschungsagenda, letztendlich ist sie vor allem mit Jakob Vogel vor 5 Jahren auch in das Centre Marc Bloch gekommen. Sie alle beschäftigen sich schon lange damit, bringen auch unterschiedliche Perspektiven mit. Und diese unterschiedlichen Perspektiven, die würde ich gerne nochmal mit Ihnen herausarbeiten. Und vielleicht fangen wir jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge mit Safi an. Die spannende Perspektive ist dein Forschungsweg, der durch verschiedene europäische Länder geführt hat, aber eben auch durch verschiedene afrikanische Länder geführt hat, mit ganz unterschiedlichen Forschungsstationen und Forschungsinstituten auch. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist wirklich, würdest du die Unterschiede auch der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klimaforschung im globalen Norden, im globalen Süden sehen? Und wo sind auch hier die Ansatzpunkte, wo man unbedingt weitergehen sollte? Merci beaucoup et merci d'inverser en fait les rôles cette fois-ci. Oui, je dirais que quand on regarde en fait les perspectives du Nord et du Sud, il y a une grande différence. Il y a une grande différence et il y a un grand fossé. Sur le plan de la recherche, sur le plan de la méthode qu'on utilise, des modélisations, des projections, mais aussi sur le plan de la technologie, et pas seulement, mais aussi sur la formation. Et quand on prend le contexte, en fait, le plan donc, de la recherche, on voit qu'au nord, on dispose, la science, en fait, les chercheurs disposent d'une panoplie, d'une variété en fait, de modèles climatiques, d'infrastructures, mais aussi beaucoup plus d'experts en fait, qu'au sud. Et quand on regarde au niveau même de la recherche, la capacité en fait, des chercheurs du sud en fait, à utiliser ces données-là du Nord, c'est-à-dire les modèles globaux, les projections, on va dire, globales, c'est très limité. Alors que quand on parle de changement climatique, et c'est vrai qu'au Sud, on subit plus, et parce qu'on n'a pas encore donc, entamé la phase d'industrialisation avec beaucoup donc, de gaz à effet de serre, puisqu'on parle des sciences humaines et qu'on parle donc, de l'humain qui a contribué donc, à ce changement-là, à ce désordre. Et donc, on n'a pas encore l'industrialisation au sud, alors que les changements climatiques, c'est un bien global. Donc, c'est un bien global, c'est un bien mondial, et tout le monde ressent, en fait, les effets. Et pour adopter, en fait, des actions, on va dire, d'adaptation, mais aussi d'atténuation, il faut savoir ce qui se passe dans son pays, dans sa région. Et on a du mal à savoir, en fait, ce qui se passe donc, dans nos régions, parce que les modèles le montrent peu. Donc ça, c'est déjà une grande différence et on a du mal en fait à s'adapter parce qu'on ne sait pas. C'est le chamboule-tout, on ne sait pas, on sait peu. Donc ça, c'est d'abord hein, sur le plan en fait de la recherche. Et sur le plan donc, de la technologie, on a aussi un fossé. Et on a appris hein, et avec le mécanisme de développement propre et que le Nord donc, va produire en fait de la technologie qui sera donc exporté et acheminé donc vers le sud. Et c'est vrai, c'est un raisonnement, je dirais, très simple et peu complexe, alors que dans la réalité, c'est autre chose. Et parce qu'on a du mal à voir en fait comment on va exporter en fait une technologie qui est peut-être peu adaptée et au nord, sans pour autant donc que ceux qui vont recevoir en fait la technologie ne soient pas en fait bien formés, bien spécialisés en fait à utiliser donc cette technologie-là. Donc il y a un biais au niveau aussi donc de la technologie.
même si le schéma en fait donc de cette situation gagnant-gagnant se dessine très bien, dans la réalité on a du mal. Et comme on n'a pas au niveau donc de la formation, on est peu en fait, on a peu de gens donc qui sont formés. Il y a aussi en fait un problème au niveau donc de cette partie-là. Et je voudrais aussi ici rappeler en fait ce qui guide en fait tout ce problème en fait de technologie, c'est-à-dire l'hypothèse en fait de la courbe environnementale de Kuznets. Si voilà, on a bonne mémoire en fait de nos études donc en économie. Et dans la réalité, c'est très très difficile. Même si le développement donc se poursuit, c'est très très difficile donc d'arriver donc à ce niveau-là. Au niveau donc de renforcement donc des capacités, il faudra aussi que les pays donc du Sud essaient de créer, on va dire, moi je vais dire de budget, on va dire nationaux, c'est-à-dire essayer peut-être de mettre des taxes, de dire aux gens qui gagnent plus de payer beaucoup plus de taxes, et comme ça on formera donc peut-être un budget régional ou un budget donc national pour renforcer en fait les capacités des gens, on va dire, à l'intérieur même des pays, à l'intérieur donc des régions. Et lutter aussi contre en fait les inégalités, donc les inégalités hommes-femmes, les inégalités au niveau des jeunes, pour permettre en fait ces pays-là de renforcer la capacité des gens au niveau aussi donc de la compréhension. Aussi, on a aussi une injustice, hein, quand on parle en fait de la justice donc du climat et tout, il faudra peut-être je ne sais pas, adopter le principe donc de pollueur-payeur, mais attention hein, au revers donc de la médaille, parce que si on dit tu pollues, tu payes, alors là, bah, oui, je vais beaucoup payer avec donc, ces crédits carbone et tout. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. Merci beaucoup. Oui, moi, j'ai probablement un peu moins d'expérience dans des pays très différents, mais je connais un peu la France et l'Allemagne, et j'ai une expérience un peu presque historique maintenant, si on veut, sur les questions du climat, parce que j'avais l'idée un peu folle en 2007 de faire ma thèse en sciences sociales sur un thème qui était très exotique à l'époque, qui était la construction du changement climatique comme problème public. Et je le dis en français parce que c'était une thèse à l'UHESS. Et à l'époque, le changement climatique, c'était très peu un thème dans mes études en Allemagne, en sciences politiques. Et ça l'était encore beaucoup moins en France, à l'UHESS, et de manière générale dans les sciences sociales d'ailleurs. Et je l'ai senti notamment au moment des candidatures. C'est le moment où la discipline se rappelle à vous. Elle dit, bon, c'est quoi les grands thèmes de la discipline? Et dans chaque au fait, candidature, on me disait, oui, c'est très intéressant ce que vous faites là, mais en sociologie, on me disait, mais il faut parler plus d'inégalité, il faut parler plus des professions, il faut parler d'éducation. En sciences politiques, on me disait, mais parlez des politistes, des choses qui les intéressent, parlez-leur de l'État. Parlez-leur des relations internationales, parlez-leur des partis politiques, etc. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, nous savons que toutes ces choses-là se transforment avec le changement climatique et avec les politiques climatiques, que ce soit les inégalités, que ce soit les élections, où le climat joue un rôle, que ce soit les professions, avec toutes les formations professionnelles qui doivent changer aujourd'hui parce que nous avons besoin de nouveaux métiers, les questions de l'État, les questions des partis, etc. Les relations internationales, de toute façon. Et je pense à un moment clé vraiment en France, et ça dit quelque chose sur la France aussi, c'était 2015, la COP21. Pourquoi ? Ben parce qu'au début de la COP21, au début de l'année 2015, le président français, François Hollande, de l'époque, disait que maintenant le climat, ça va être la priorité présidentielle de l'année. Et au moment où il a dit ça, tout le monde venait vers nous, qui faisions des recherches sur le climat. Tout le monde nous invitait pour nous demander, alors c'est quoi ce truc, le climat? Dites-nous quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, comment comprendre, etc. Donc tous ces politistes qui nous disaient l'État, ils venaient vers nous à ce moment-là pour nous demander, le climat, ça fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour se préparer à cette année du climat? Bon, donc
Tout ça pour dire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé déjà, il y a beaucoup de choses qui restent encore à changer. Et je pense qu'un des risques, c'est bien évidemment qu'il y ait ces conjonctures où à un moment donné le climat est très important, c'est l'année du climat et maintenant c'est la guerre et avant c'était le Covid. Donc au fait, il faut des financements de longue durée et bien évidemment il faut que le climat devienne partie intégrante et pas seulement le climat mais les questions d'environnement, les questions d'écologie, une partie intégrante des cursus dans toutes ces disciplines-là. Et voilà, ça c'est une des choses à laquelle je vais travailler moi-même, mais j'espère aussi avec les collègues du Centre Marc Bloch et avec tous les autres ici. Vielen Dank für die Perspektive. Wir werden gleich auch nochmal das Verhältnis von Wissenschaft und Politik aufgreifen, aber erstmal Marc, auch nicht die Frage, ja, wie hat sich die Forschung denn auch in den Wirtschaftswissenschaften in den letzten Jahren verändert und wie ist auch hier die Expertise im Bereich Klimapolitik, wie hat sie sich herausgebildet? Alors j'avais éteint le traducteur, donc je pense que tu me poses la question sur les recherches. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que disait Safi à propos des conséquences sur l'inégalité d'investissement ou de ressources entre le Nord et le Sud, qui a des conséquences pour nous tous en fait. Donc moi dans mon domaine, je suis économiste et je fais des recherches sur les politiques optimales d'atténuation. On cherche à trouver le bon prix du carbone ou des choses équivalentes à cela. Et on a besoin pour cela d'avoir une bonne appréciation des conséquences du changement climatique sur l'ensemble du monde. Et il se trouve que dans les travaux que j'ai menés en particulier, on a essayé de prendre mieux en compte que ça n'était fait auparavant des inégalités. Les inégalités qui ont lieu non seulement entre les générations, le futur sera peut-être plus riche que nous et donc on se dit bon après tout le futur peut se débrouiller, c'est pas tout à fait vrai parce que même dans le futur il y aura comme aujourd'hui encore des pauvres et ce sont eux qui vont recevoir les impacts les plus difficiles. Et donc dans nos modèles en fait on s'aperçoit que si on veut regarder la trajectoire possible en termes d'atténuation, optimale ou plus ou moins optimale, eh bien ce qui se passe en Afrique subsaharienne est essentiel. Ça joue un rôle principal parce que c'est là que la grande pauvreté va s'aggraver de façon dramatique avec le changement climatique. Or, quand vous regardez les données sur les impacts climatiques, vous avez des grandes zones grises dans certaines parties du monde, et en particulier dans l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'en gros, on a la zone la plus importante, pratiquement la plus stratégique pour réfléchir à une politique globale, on a des données vraiment extrêmement lacunaires. Donc on est tous dépendants de ce déséquilibre entre les besoins de données et la répartition de l'expertise, de la ressource, de la recherche. Alors, peut-être un mot sur les recherches franco-allemandes. Je pense qu'on est dans les deux pays un peu dans la même situation qu'on évoquait tout à l'heure, avec effectivement un meilleur investissement, une meilleure structuration des recherches dans le domaine des sciences dures, des sciences naturelles. Mais en même temps, je pense qu'on assiste à une conscience croissante, y compris dans les ministères, chez les responsables, de l'importance des processus politiques et des processus sociaux. En France, le mouvement des Gilets jaunes a été un véritable coup de tonnerre pour comprendre qu'on ne pouvait pas négliger ces aspects-là. Et je pense que c'est vraiment un moment intéressant aujourd'hui. Et d'une certaine façon, l'anniversaire du CMB illustre un petit peu cette importance reconnue, de plus en plus reconnue, des SHS dans le domaine. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de parler un petit peu du futur. Tu as évoqué ça tout à l'heure à un moment donné ? Pas encore. Pas encore, ok. Alors, très bien. Je vais rebrancher ma machine. Darüber werden wir aber noch sprechen, auch wie es in Zukunft weitergeht. Aber wir wollen noch mal ein bisschen weiter auch in der Diskussion bleiben. Und ich würde gerne mal aufgreifen, Stefan, was du jetzt gesagt hast. Das war genau das 2015, dieser Schlüsselmoment, wo vorher dieses Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit gar nicht so sehr im Bewusstsein war. Und plötzlich war da dieses große politische Ereignis. Und jetzt besann man sich auch der Forscherinnen und Forscher, die sich damit befassten, auch aus sozialwissenschaftlicher Perspektive und auch eben an die Wissenschaft herantraten. Und genau das ist aber ein sehr, sehr spannendes Verhältnis, nämlich auch welche Rolle soll denn eigentlich die Wissenschaft, die einzelnen ForscherInnen auch haben in diesem Transformationsprozess, der ja auch ein gesellschaftlicher Prozess ist, durchaus von Konflikten geprägt, auch sehr politisch geprägt ist. Und
Weiterhin fortbesteht natürlich der Anspruch an eine objektive, neutrale, wertneutrale, unabhängige Wissenschaft auf der einen Seite, gleichzeitig immer mehr ForscherInnen, die sich eben auch explizit normativ positionieren, auch im Sinne einer transformativen Wissenschaft, die letztendlich der Gesellschaft und der Natur dient, um den Klimawandel zu bekämpfen, zur Nachhaltigkeit beizutragen. Und das würde ich gerne aufgreifen, um nochmal dich, vielleicht fangen wir direkt mit dir an, Stefan, nochmal zu fragen, wie verstehst du da auch deine eigene Rolle als Forscher, auch im Bereich der Klimapolitik jetzt? Ja, das ist tatsächlich, denke ich, eine sehr aktuelle Frage. Also wir sehen ja im Moment mit auch Extinction Rebellion, mit verschiedenen Scientists for the Future und so weiter, also ForscherInnen, die sich engagieren, die selber Position beziehen. Ich denke, dass das wichtig ist. Ich denke auch, dass es als solche wertneutrale Forschung nicht gibt, insofern, dass wir immer zumindest in dem Moment, in dem wir uns ein Forschungsobjekt aussuchen, in dem wir bestimmte Perspektiven auf dieses Forschungsobjekt uns aussuchen, immer natürlich auch getrieben sind von unseren eigenen Interessen und von unseren eigenen Überzeugungen. Was ich dennoch glaube, ist, dass in dem Moment, in dem ich Forschung betreibe, ich eine gewisse Distanz zu dem Objekt aufbauen muss, was ich beforsche. Und das ist nicht immer einfach und das muss auch nicht jeder immer so machen. Das ist mein Standpunkt. Dazu auch nochmal ganz kurz eine Anekdote, warum ich denke, dass das wichtig ist. Ich war auf einer Podiumsdiskussion vor einer Weile, in der ein Naturwissenschaftler meinte, so, wir wissen jetzt eigentlich genug, wir müssen handeln. Wir wissen genug über Klimawandel, wir wissen genug, wir kennen eigentlich die Lösungen, wir müssen handeln. Und ich denke, dass das ganz grundsätzlich falsch ist. Also wir wissen überhaupt nicht genug, aber wir wissen an ganz bestimmten Dingen nicht genug, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir wissen nicht genug über Gesellschaft, wir wissen nicht genug darüber, wie sozialer Wandel funktioniert, wir wissen nicht genug darüber, wie Transformationen funktionieren, und die Erforschung von diesen Fragen ist absolut zentral für einfach die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wie wir mit diesem Klimawandel, mit dieser Herausforderung umgehen und wie sich unsere Gesellschaften unter Klimawandel verändern werden. Und ich denke, dort wissenschaftlich zu arbeiten und wissenschaftliche Wissen zu produzieren, das dann wiederum gesellschaftlich genutzt werden kann, das sehe ich als eine ganz wichtige Aufgabe, die ich als Wissenschaftler mache. Was ich dann als Bürger mache und wie ich mich als Bürger engagiere, ist nochmal auch eine andere Frage. Wird sich zum Beispiel jetzt widerspiegeln in einem Projekt, das nächstes Jahr wahrscheinlich beginnen wird, zu den gesellschaftlichen Dynamiken der deutschen Klimawende mit der Mercator-Stiftung, in der es genau darum gehen wird, gesellschaftliche Dynamiken zu erforschen, zu verstehen, aber auch sichtbar zu machen, weil Wissenschaft hat natürlich auch die Funktion, Dinge nicht nur für sich selber zu verstehen, sondern auch dann in die Gesellschaft zurückzuspiegeln, sodass sie dann auch von sozialen Bewegungen, von verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft aufgenommen werden kann. Insofern sehe ich meine Rolle durchaus als eine politische, aber eine politische, in der meine Rolle als Forscher sehr wichtig ist und in der es weiterhin Forschung bedarf, die auch genau das macht, nämlich sich Dinge anzuschauen, sich Dinge auch ein bisschen distanziert anzuschauen. Vielen Dank. Die gleiche Frage möchte ich ja auch allen anderen hier auf dem Panel noch stellen. Safi, vielleicht mit dir weiter. Merci beaucoup. Je dirais une très belle question. Et parce que ce qu'on observe au sud, et je me dis peut-être peu au nord, c'est qu'on a l'impression que les décideurs en fait, politiques sont là, dans une salle. Et les chercheurs sont aussi dans une autre salle, même si je fais de la science sociale, même si je fais des recherches sciences dures, sciences sociales. C'est ce qu'on a observé depuis. Et plus récemment, ce que les chercheurs font,
y compris moi-même, c'est qu'on essaie de voir comment les chercheurs et les politiques, c'est-à-dire ceux qui font la mise en œuvre, en fait, parce que je suis chercheur, c'est vrai, et on a des rôles, peut-être on va dire deux principaux rôles. C'est-à-dire, je veux, par exemple, écrire des articles publiés pour ma carrière. Mais il faudra aussi que je pense à faire de la recherche pour le développement, c'est-à-dire pour changer les choses, pour participer, même si ça a un tout petit peu à changer les choses. Et dans ce cas-là, ce que je vois mon rôle, c'est qu'il faudra travailler à rapprocher les chercheurs et les décideurs politiques. En faisant comment? C'est-à-dire en prenant en compte, en fait, leurs besoins, ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, des fois, nos résultats sont assez très difficiles à comprendre, en fait, et par ces décideurs politiques. Et ce que nous pensons donc récemment, c'est d'organiser ce qu'on appelle donc des plateformes de dialogue où on aura les décideurs politiques, mais aussi les chercheurs qui font donc la recherche sur les changements climatiques, et avec des mots simples, des raisonnements très simples, pouvoir en fait leur faire comprendre ce qui se passe, ce qui se passerait dans 50 voire 100 ans, et comment il faut prendre en fait des dispositions pour lutter contre donc ces effets-là, mais comment aussi il faut prendre des dispositions pour déjà lutter contre les effets immédiats. Sinon, bah, ce qu'on voit, surtout au sud, c'est des migrations très massives en fait des populations, en Afrique de l'Ouest notamment, les gens vont quitter le Burkina Faso pour aller vers la Côte d'Ivoire ou Ghana, et ceux qui pourront s'échapper vers l'Europe, on connaît la suite, c'est des gens qui meurent en fait dans la mer et tout. Et donc du coup, les politiques, ils ont un grand rôle à jouer, mais les chercheurs aussi devraient trouver donc un moyen de transmettre en fait les trouvailles à ces décideurs politiques. Et ce que nous faisons, c'est en fait ces services qu'on appelle des services personnalisés. La customized claim services, il y a des services donc conçus pour quel type de politique, pour quel type de décideur, pour quel type d'entrepreneur, et comment ils doivent l'utiliser en fait pour le développement, on va dire le développement durable en fait de la société. Merci. Vielen Dank. Marc, auch gerne an dich die Frage, wie siehst du deine Rolle auch als Wissenschaftler im Verhältnis zur Klimapolitik? C'est la même question. Oui, donc j'avais abondé dans le sens de ce qui a été dit par mes collègues. Effectivement, nous devons trouver un équilibre entre deux choses. D'une part, il y a une exigence de servir le débat, en particulier dans les sociétés démocratiques, le débat politique, et plus largement, effectivement, aider à de meilleures décisions, mais en le faisant d'une façon qui est attaché à la vérité des faits, à la vérité de ce que nous arrivons à trouver, qui est toujours incertain, hein, et il faut être honnête sur l'incertitude qui entoure nos résultats, nos études. Donc il faut être le plus objectif possible en tant que producteur de science, mais d'un autre côté, sans aller nécessairement jusqu'à adopter une casquette de citoyen actif et militant, en tant que chercheur, même dans notre profession, nous avons une responsabilité de face aux défis de notre époque. Donc Safi parlait de développement face aux défis climatiques, etc. Nous avons une responsabilité de choisir nos sujets de recherche, nos priorités, en fonction de ce qui est le plus utile pour la société. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. C'est quelquefois un peu controversé, bien sûr, quand on parle de la science qui doit être au service de la société. Il y a toujours un peu de réticence, et il faut l'exprimer et le mettre en œuvre d'une façon qui soit respectueuse de la liberté des penseurs et des chercheurs. Mais je crois que nous avons effectivement cette responsabilité vis-à-vis de la société. Je voudrais ajouter deux points, si je peux. Le premier, c'est qu'on raisonne souvent en termes de... et c'est vrai en particulier pour les économistes, mais ça concerne un peu toutes les disciplines, en termes de conseils aux responsables politiques, alors qu'en fait, il y a énormément d'acteurs, et quand on regarde les évolutions de la société, les changements des comportements à long terme,
Et même ce qui se passe dans la sphère politique, ce sont souvent d'autres acteurs de la société civile qui sont clés. Et donc, il faut aussi penser notre production et notre choix de sujet d'une façon qui soit utile à tous ces acteurs et qui alimente leur réflexion et leur prise de décision à tous les niveaux, avec tous les instruments qu'ils peuvent utiliser. La deuxième remarque que je voulais ajouter aussi, c'est... il y a, même si il y a cette exigence d'objectivité par rapport à la science, je crois qu'il faudrait que nous acceptions, et c'est plus facile pour certaines sciences sociales que pour d'autres, que nous acceptions une certaine tâche, une certaine fonction de recommandation. Là aussi, c'est controversé. Si vous pensez à la devise du GIEC, hein, de l'IPCC, qui est « policy relevant but not policy prescriptive », alors excusez-moi de faire un peu d'anglais, mais cette idée de ne surtout pas faire de recommandations, elle ne marche pas vraiment bien, et le GIEC, les résultats du GIEC sont toujours interprétés comme des recommandations. Et donc je pense que la bonne attitude est plutôt à chercher du côté de l'acceptation du rôle de recommandation. C'est fréquent chez les économistes, c'est beaucoup moins fréquent par exemple chez les sociologues, je sais que c'est beaucoup plus difficile pour certaines disciplines. Accepter cette fonction, mais l'accepter, ça veut dire avoir une exigence non seulement d'objectivité par rapport aux résultats, mais aussi de transparence par rapport aux valeurs qui conditionnent les recommandations que l'on fait. C'est-à-dire que nos recommandations devraient toujours prendre une forme conditionnelle. Si votre objectif est ceci, alors nous pensons que la meilleure trajectoire est celle-là. Si vos valeurs sont celles-ci, alors... Et ce qu'on fait habituellement pour respecter le pluralisme dans les sociétés où le pluralisme existe, elles sont de moins en moins nombreuses malheureusement, mais c'est d'essayer d'offrir une palette de recommandations qui puisse correspondre à différentes philosophies, différentes conceptions politiques que les différents acteurs et responsables peuvent avoir. Pour prendre un exemple un peu terre à terre, en économie, vous avez le degré de priorité qu'on donne aux plus défavorisés. C'est un paramètre dans beaucoup de nos modèles, et ce paramètre, on peut le faire bouger pour donner plus ou moins de priorité aux plus défavorisés. Les politiques qui en découlent sont assez différentes, et c'est important de montrer cette palette au débat public en général. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Wir befinden uns jetzt schon fast in Richtung Ausblick und wir feiern heute den 30. Geburtstag des Centre Marc Bloch, aber wir wollen jetzt mal in die Zukunft, in die nächsten 30 Jahre schauen. Und da würde ich gerne euch allen noch die Frage stellen, ja, wenn wir uns in 30 Jahren hier wieder versammeln in Berlin, wo sollten wir dann stehen bei den Geistes- und Sozialwissenschaften in der Beantwortung aktueller dringender Fragen mit Blick auf den Klimawandel? Das ist einerseits die inhaltliche Frage, wo soll es hingehen, wo können Sie einen Beitrag leisten, nochmal hier, das ist aber auch die ganz praktische Frage und wir stehen da noch ganz am Anfang. Am Centre Marc Bloch hat sich die Klimaschutz AG gegründet, die eben auch sich die Frage nach individueller Verantwortung der ForscherInnen stellt. Wollen wir fliegen? Wollen wir ja, Ausdrucke? Das fängt beim Licht an und ausmachen und Heizung anmachen. Geht das weiter? Auch wie verhalten wir uns auch bei der Durchführung unserer Forschungsprojekte? Es ist sozusagen diese verschiedenen Ebenen, die wir haben. Und um das gerade aufzugreifen, natürlich auch die Wissenschaft in Bezug zur Politik. Also drei Dimensionen. Und ich würde gerne nochmal hier im Panel eine kleine Blitzlichtrunde machen und Ihren Ausblick auch auf die Zukunft darauf sehen. Vielleicht gehen wir jetzt wieder in der ersten Runde mit dir, Marc, anfangen. Oui, en fait, je voudrais lister quelques points qui seraient bien, si on imagine une situation de rêve dans les 30 ans qui viennent. La première, c'est pour revenir sur ce qu'on disait au tout début, on doit changer nos comportements, changer nos politiques. Donc, améliorer notre compréhension de ces mécanismes de changement de comportement et de politique, donc, et en particulier, comment avoir une gouvernance qui soit plus effective dans la transition juste. Le deuxième point, ça serait, sans doute, on verra de plus en plus d'interdisciplinarité. Et je pense que c'est vraiment important parce que quand on analyse cette question des transitions, des transformations, des comportements, c'est absolument impossible de le faire avec une seule discipline. On a absolument besoin de comprendre ce qui se passe au niveau de la psychologie, ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, des interactions, ce qui se passe au niveau des incitations économiques. Tout ça, c'est
c'est pertinent, mais c'est pertinent en même temps pour les mêmes types de, d'agents. Et donc, je pense que l'interdisciplinarité va se développer. Et on a besoin aussi d'aller au-delà des sciences sociales, d'aller aussi du côté de la philosophie, bien sûr, l'histoire est là aussi. Toutes ces disciplines sont absolument essentielles. Même l'art est important pour comprendre, parce que l'émotion, c'est un facteur de motivation essentiel. Donc, vraiment, toutes les disciplines. Et bien sûr, maintenant, on parle beaucoup d'interdisciplinarité au-delà des sciences humaines et sociales. Et des humanités, c'est très bien et on en a souvent besoin. J'ai moi-même apprécié de pouvoir travailler avec des énergéticiens et des spécialistes de santé publique, etc. Très bien, mais je pense que vraiment, puisque le facteur humain est essentiel, l'interdisciplinarité à l'intérieur des sciences sociales et des humanités est essentielle. Et enfin, comme il faut faire court, je trouve que ça serait très bien qu'on accepte de faire de plus en plus d'études prospectives, puisque nous avons des horizons très longs sur des défis qui sont des défis de long terme. Donc il faudrait accepter de faire de plus en plus de scénarios. Ça se fait notamment autour des travaux du GIEC, mais on est souvent réticent dans nos domaines à faire des projections de très long terme, et alors qu'on a besoin de construire des visions à la fois des dangers, des sentiers qui ne marchent pas et des visions positives pour motiver la transformation. Donc oser faire cela et le faire de la façon la plus scientifique possible, je crois que ce serait vraiment très important. Je pourrais vous en parler plus longtemps, mais je vais m'arrêter là. Oui, c'est une question vaste. In 30 Jahren, hör mal mit Deutsch auf wieder, in 30 Jahren, ich denke, was, wenn ich mich in 30 Jahren vorstelle, wenn ich mir vorstelle, in 30 Jahren sozusagen die Fragen, die wir heute behandeln, wie die sich verändert haben werden, dann werden wir wahrscheinlich in einer Welt leben, die nicht nur sehr stark durch den Klimawandel verändert wurde, sondern auch in einer Welt, die sehr stark durch die Folgen von Klimapolitik verändert wurde. Durch die mehr oder weniger gelungenen Energiewenden, durch die Folgen von gelungener oder nicht gelungener Anpassungspolitik. Und ich glaube, dass wir sehr viel noch über Ungleichheiten reden werden, zum Beispiel, die durch Klimapolitik entstehen. Was ist denn jetzt mit der Energiewende? Wer hat davon eigentlich profitiert in Deutschland? Und wer hat einfach nur höhere Strompreise gezahlt? Wie sieht das global aus? Also welche neuen, wir reden heute schon von Sacrifice Zones, also Zonen im globalen Süden sehr oft, die in den neuen Bergbauregionen entstehen, um hier die SUVs, die Elektro-SUVs auf unseren Straßen zu produzieren. Und die Art und Weise, wie diese Transformation, also erstens, ob sie gelingt oder nicht und zweitens auch, wie sie geführt wird, wird unsere Welt verändern und darüber werden wir, denke ich, sehr stark weiterhin forschen müssen. Also werden wir in einer, ich glaube, es gibt die Chance, dass durch Klimapolitik und dass durch Umweltpolitik auch kooperativere Elemente in unsere Welt kommen. Wir sehen ja im Moment, dass wir in einer Welt leben, die geopolitisch zerrissen ist, in der die Spaltungen eher größer werden. Und trotzdem gehen die Klimaverhandlungen weiter. Das kann man ja irgendwie trotzdem so mal festhalten. Es gibt die Klimaverhandlungen weiterhin und es ist eine der letzten Arenen, in denen global diskutiert wird, jetzt wieder in ein paar Wochen, über Fragen der globalen Entwicklung und über Fragen eigentlich, wie die globale Ökonomie, globale Gesellschaften in ökologischere Bahnen gelenkt werden können. Wie erfolgreich das ist, darüber können wir dann auch wieder diskutieren. Aber es gibt diese Arena und deswegen gibt es auch immer in der Frage von Klimawandel und Klimapolitik dieses Element von einer möglichen Kooperation. Ich denke, mehr Interdisziplinarität, da bin ich, das denke ich, ist ganz klar und da bin ich voll einverstanden, auch mehr Globalität vielleicht auch, also auch wirklich globale Forschung im Sinne von globalen Kooperationen zu den Forschungen, weil wir eben nicht mehr in Ländern oder in einer Welt leben, in der wir uns auf unsere nationalen Verhältnisse, auf unsere deutschen Parteien, auf unseren deutschen Staat, auf unsere deutschen Ungleichheiten zurück beziehen können, sondern diese Interkonnektionen immer mitdenken müssen. Und ich denke, der Klimawandel ist das Problem par excellence, wo das deutlich wird, aber es ist nicht das Einzige. Merci beaucoup. En fait,
Moi, je vois peut-être dans 30 ans, et joyeux anniversaire encore donc au centre, mais je vois dans 30 ans et qu'on ait vraiment effectué ces voies de transformation. Ces voies de transformation supposent quoi ? Supposent qu'on ait changé en fait le comportement, nos comportements, c'est-à-dire que aussi on regarde comment les politiques abordent en fait la transition vers une économie à faible émission donc de carbone, mais aussi vers une économie circulaire. C'est vrai qu'on a tendance à dire, oui, on adopte des comportements qui économisent l'énergie ou bien qui remplacent les fossiles par l'énergie renouvelable, le soleil, l'éolienne et tout. Mais en pensant ainsi, moi je pense qu'on ne lit en fait que la moitié du livre. On ne regarde que la moitié du film. C'est vrai que la transformation énergétique prend une grosse partie en fait de l'affaire, mais ça résout pas totalement le problème. Il faut que nous changeons donc nos comportements. Et moi, j'ai foi à cette économie circulaire, que ce soit au nord ou au sud, on produit des déchets. Et même au sud, c'est-à-dire les centres urbains produisent des déchets, et on a du mal, en fait, à gérer nos déchets. Et cette économie circulaire donc, nous permet, en fait, de gérer mieux donc, nos déchets, mais de limiter, en fait, la pollution ou bien l'émission, en fait, des gaz, au lieu donc, de chercher après donc, à les réduire et tout. Puisqu'on parle de sciences sociales et de l'effet de l'être humain sur donc, le climat, moi, je vois cette voie de transformation là, d'ici 30 ans, que tout le monde ait changé son comportement et qu'on adopte une économie circulaire et qu'on ait avancé, j'espère. Merci. Merci.